Bonjour, je vais vous prendre la formule midi paradis terrestre avec un 9, 10, 11, 7, 8, 11, 2. Les amis, bonjour, on est au paradis du fruit avec Dadou. Oh le cabage. Mush. Enchanté. Mon humble grand-père. Nous, dans quelques instants. Pov, tu manges au paradis du fruit. Pov, tu es au paradis du fruit. Les bananes, les... Non, c'est pas ça que je dois dire. Okay, c'est pas ça que... Ça n'a rien à voir. Non, mais j'allais enchaîner plein de fruits. Ouais. Tu veux pas refaire l'intro? Mais parce qu'il y a une énorme banane vraie dans le retour, là. Alors, je présente l'assiette. Radis, salade. Acra, citron vert. Acra, citron vert. Champignon, poulet. Mush, poulet. Champignon. Citron, concombre. Ferral, sauce. Ferral. Brochette à la pomme de terre. Et pain. Ouais, la team, je vous reprends. On est à la tête dans les nuages. C'est une salle d'arcade. On est la tête dans les nuages ou quoi, là? C'est bon, là. Ouais. C'est dans la boîte. Bonjour à tous, bienvenue à la tête dans les nuages. On a la tête dans les nuages, comme a dit Mush avant. Là, on va taper dedans et si je fais moins de 980, je suis une salope. Tu te rends en roue libre. Vas-y. Oh, tu vas faire au moins 2000 points. Oh là là. Oh. Je vous présente l'adversaire, le punching ball. Mets la cam juste derrière, comme ça fait un beau plan, je pense. Bah yes, la top franchement. Ça peut, ça... The Great Review. Dis-moi. Oh si, elle est pas mal hein. Oh là, ça monte, ça s'arrête jamais. Oh. Ah non, il a mis une vraie patate. Voilà. Oh, c'est vraiment le gaming. Regardez la rapidité d'exécution. Victoire de Damien. Oh là là. Alors, je suis qu'un casual player, alors toi, tu dois être quoi? Bah, une merde. On m'a dit soit on est fort au bowling, soit au lit. Regardez bien. Ça doit pas bien baiser, hein. Il est... Hey, l'ascenseur il s'ouvre, il y a sa peau, je peux pleurer. Et là il est vraiment là, je pense que c'est le plus beau clip de l'histoire. Étage 0. Il s'ouvre là, j'aime pas être enfermé dans un petit espace là, je suis xénophobe. Les gars, on est arrivé à une station de métro, c'est les backrooms. Ça va les gars? Chut, il y a le mob qui nous entend. Il faut pas qu'il nous entende, sinon il va venir nous branler. Wouah, c'est tout neuf et ça sent bon. Mais frère, mais c'est quoi ça? Les gars, ça sent la peinture et le bois, c'est neuf. C'est neuf. Là, du coup, on arrive à un étage, il y a quand même personne. Mais c'est les backrooms, les pièces de derrière. Comme dans les backrooms, en fait. Voilà. C'est là toute la vanne. 5 minutes quand on est dessus. Faut trouver la sortie, les gars. Bah, tu sais, où c'est infini, on est seul, un peu comme dans les backrooms, en fait. Et où est-ce qu'ils nous branlent, le monstre, là? J'ai rien compris, ça. Il faut que tu fasses un peu de bruit pour qu'il vienne, parce qu'il est aveugle. Ah! Bonjour, bienvenue chez nous. Mettez un peu de contexte là, on est où? On est à Saint-Denis. On est où là? Ok, on est dans un logement, tous ensemble. Ok, bah je vous suis alors pour la visite. Ok, alors bah là, nous avons la petite pièce à vivre. D'accord. Il y a un SDF, mais faites pas gaffe, il va partir ce soir normalement. Ok, ça marche, bah y'a pas de soucis voilà, franchement, voilà. Je suis dans le partage. Petite télé qui fait plaisir, hein. Et là on peut se régaler, on s'assoit, tu vois, c'est... Voilà. Ah oui, elle marche bien. Hein. Tu vois? Mmh, y a 4 pieds, top. La kitchenette. Petite cuisine, cafetière pour les amateurs de café. Ok, sûr. Pas mal, ça on va essayer de la qualité ça. Qui est là, je pense. Chiant. Ok, là il y a un autre SDF. Non mais c'est pas grave. Ouais. Non mais vous inquiétez pas. Hein, voilà. Petite baignoire. Ok, pas mal. Ici du coup on peut prendre... Un bain à 1, 2, voire même 3 si on veut. Ok d'accord, bah plus 3 en vrai. Ça va égal. Hein. Une première chambre. Ok, donc là une chambre. Voilà, donc... Ok d'accord. Petit miroir. Ça a l'air confort, miroir, fonctionnel. On se voit dedans. Une deuxième chambre. Ok, voilà. Ah oui mais il y a de la place en fait. C'est très cosy, moi je te le dis. Bah oui, non mais c'est carrément. Très sympa ici. Ah oui, une belle vue. Ah oui, il y a vraiment une belle vue. Coupez, on va la refaire. Ok, on la refait. Et là, on a une deuxième chambre. Donc voilà, lit double, très sympa. Oh. C'est très cosy. Hein. Ok, oui, plus, ah oui. Petit bonus, on a une vue très sympa. Oh, sympa. Ah oui, voilà, on a fait les courses. Les amis, petit bâton de berger, on va s'envoyer ça avec une petite pinte rosée, goût pêche. La pêche, les agrumes. Salut Jade. Putain, faut croquer là, mets les dents, un bon goût. Encore vivant le bordel. Là.
merde. Ils s'attendaient pas à parler. Ouais. Last Barouder, First Barouder. Avec le sourcil. C'est lui en vrai, il y a un air. Moi je le trouve beau. En vrai, Last Barouder, il est beau. Salut Jimmy. Salut. Après 20 heures de trajet, je suis là. Ça va ou quoi que ça? Donc là, tu fais un cul sec là? Salut Jimmy. Cul sec douteux. C'est douteux. Il y va. On n'arrête plus. Slow motion. Qu'est-ce que ça fout la team? Ça dit quoi? Salut, je suis bourré. Je m'appelle Jade. Et bon, bah voilà, c'est comme ça la vie. Hein. Bon, bah voilà, c'est comme ça la vie. Oh les clubs de pétasse. T'es ma petite pétasse, toi. En fait, je cherche un feu. Il est où le feu? T'as le vlog douteux? Ah, le vlog ah, douteux. Le vlog douteux. Mais attends, c'est quoi ce jeu? Faut imiter un youtubeur, faut deviner. Je vais vous raconter l'histoire du prodige. Le prodige de Valorant. Moche, 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 moche. Ah, c'est moche. En vrai, je sais pas, j'ai jamais regardé tes vidéos. Salut à tous, aujourd'hui petit servage de verre. Servage. En gros là, notre cher Damien. Damien. Il a soif. Donc vous savez ce qu'on va faire? Eh bien on va se servir à boire avec du Crazy Tiger. Oh, ce mec s'énerve sur le frigo. Première étape, prendre le Jäger et le verser. Voilà, vous versez la dose que vous voulez. Si vous êtes une petite faible comme moi, vous mettez pas beaucoup. Mais ça va pas. Mais ça va pas. La tête. Ça va ou quoi? C'est le réveil. Le réveil douteux. Allez, on sort de l'appartement. On dirait pas les gants à Homer Simpson quand il gifle dans le magasin d'Apu et après il défie tout le monde en duel. Vas-y. Vas-y, gifle-moi. Jamais je mets l'extrait par contre. Hein. Débrief de la soirée. Bah, un régal, on a été plutôt soft. C'était soirée jeu de société et poterie, donc c'était juste trop bien. Moi j'ai pu chauffer 20 meufs. 20 meufs, j'ai baisé là. Moi ça compte? Oui. J'ai menti sur meufs et gay. Un homme des ados. Je pense qu'il y a 5 rushs de nous, on s'embrasse. Hein, hein? Je pense que tu te rends pas compte. On s'embrasse hier. Embrassé. Ouais. Ah ouais? T'es arrivé, t'as vraiment fait. T'as vraiment fait. Tu m'as regardé comme ça, tu m'as. Mais quand tu sous, j'adore embrasser les gens. S'embrasser. Il y a juste. T'as pas embrassé, je pense. Je vais pas embrasser. Oui, embrasser Jade. J'ai embrassé tout le monde. Attends, j'ai embrassé toi, toi et toi. J'ai embrassé 3 personnes. T'as kiffé quand même un peu? Ouais, j'aime bien kiffer. Tes petites lèvres là. Ah. What? C'est les backrooms ou quoi? What the fuck? Là je suis terrifié. C'est les backrooms là, je filmais les backrooms. Ouais, non, Jade, un mot à dire sur les backrooms? T'as filmé mes backrooms? C'est extraordinaire. On va aller voir des trucs d'animé et de manga parce qu'on est des gros puants de fou, surtout mush. Moi j'aimerais vivre dans le monde des animés. Exactement. Et on va acheter des choses, quoi. Ça va être bien. On va dépenser de l'argent. Je viens par pure gentillesse parce que j'en ai rien à foutre, en vrai. D'accord, ok. Je peux te faire honte ou pas? Je peux te cringer un peu? Ouais. Ok. Hello, guys! Oh, c'est trop dur. En vrai, c'est trop dur. Vlog Paris! Vlog Paris! Paris by night! Rivolino! Un petit béret? Un petit béret parisien, ça m'irait bien, non? Bah, sur mon petit crâne. Petite baguette, là, petit claqueur, c'est tout. Un ster. Ah oui! Non, 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 non! On est au bar, le dernier des baroudeurs. Bah j'arrête. Ça commence très mal. J'arrête tout en fait. On est au dernier bar avant la fin du monde. On va prendre des cocktails succulents finalement, avec des petits jeux sur la culture geek. Tu t'es coupé, hein. Ça t'arrives à dire ça. Du sang de gobelin. Wesh, c'est noir. C'est noir. Et toi, voyez ça là? Ah, c'est quoi ton cocktail toi? En fait, c'est un truc vodka spéculoos avec des trucs au café dedans. 11 euros. Voilà. 11 euros pour ça là. 11 balles. Qu'est-ce qu'on a fait, mon petit moche? On allait dans un resto qui s'appelle Sapporo. Ah oui, putain, Sapporo. Et on a mangé. Bah, on est en duo en fait. Ouais, c'est ça. On a fait un date en fait. On a mangé des ramen et des curry. Et c'était très bon. Et toi, t'as bien mangé? Bah, franchement, ouais, le curry et les gyoza, top du top. Et j'ai pris un saké. Mais j'avoue, le saké Dofus, il est meilleur. D'ailleurs, c'est sponsorisé par le saké Dofus. Pas Dofus, hein. Le saké Dofus. Il y a moins 100% avec le code Dadou Saké. Bah, sympa, faut que je demande les avis aux autres. Ouais, bah, moi, après, tu me demandes pas mon avis, mais moi, j'ai vraiment bien mangé. Mais tu l'as dit. Ah bon? Bah, non, mais fais une cascade, vas-y, fais une cascade. Une cascade? Vas-y, vas-y. Fais une cascade là maintenant.
Ouais. Tu dois faire une review du restaurant. Très très bon, mais j'avais pas très faim, donc j'ai pas pu profiter de beaucoup de choses. Et du coup, t'as pris des gyoza. Oui, tout à fait. Et en fait, c'était vraiment bon. Et je recommande, voilà. Mais super, tu parles bien, la caméra, c'est fou. Ouais, bah parfois, c'est déjà qui est faite pour ça, en fait. Cowboy, a Lord of the Ring. Commandant de bord. J'ai pris un Jaeger à Paris, ça coûte 11 euros. 12 euros. Et là, j'ai pris un mètre de shot. Regardez, c'est 40 euros. Du coup, je vais faire des plans. Hey Mush, ouais. Regarde tout ça là. Tu vois tout ça? Ouais. Tu vois ou pas? Devinette, ça me fait penser à quoi? Ouais. Moi je dirais que ça me fait un truc qui commence par B là, ça sort pas. Les. Ah les backrooms. Les backrooms. Oh, jure. On dirait grave les backrooms. Regarde. Gay. Ça vous évoque quoi là tout ça? J'adore. On dirait grave les backrooms avec les monstres dans les. Quand je suis bloqué, j'ai glissé en dehors de la map. Hey, Feldup, de ta mère. Oui, on l'adore tous. On adore faire le dupe. Oh les gars, on dirait trop les backrooms. Elle est vraiment sortie sans métier, pas de problème. Tu prends la pause? Il y a une photo là. Oh les gars, c'est les backrooms. Oh sa mère, j'ai glissé. Mais oui, il a nettoyé, ça se voit, c'est tout. J'ai filmé la chute. Il a fait exprès. Ah non, je me suis tué, hein. Vraiment, j'ai hyper mal. Je fais semblant là, j'ai vraiment mal. Ouais, j'ai vraiment très mal. Il avait l'air de rapper, genre. En fait, et la team, regardez, sérieux. Genre là, c'est le matin et tout, c'est le dimanche, on va rentrer, on va manger. Ouais. Mais on dirait pas trop les backrooms. Bah là, c'est le dernier jour et franchement, je viens de capter un truc ici, c'est que ça ressemble vraiment au backroom. Ça te fait rire, Laurent? Laurent? Putain, Laurent! Glissade, littéralement. Pourquoi tu dis ça, Jade? Parce que hier, t'es tombé comme une pauvre merde. Merci pour ça. Oh là là, les gars, mais c'est vraiment les backrooms. Eh, c'est pas trop les backrooms! Ah, il est bien ce plan. Ce plan est incroyable. Ça va être super chiant de porter ça, j'ai pas raison, la team? Dites dans les commentaires si elle a raison. Ouais, voilà. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Porter le sac? Ouais. Cherchant. Préféré. Porter un sac ou ne pas porter de sac? Je préfère vivre, les gars. Tu préfères qu'on t'offre un restaurant gratuit ou avoir le cancer ?